Si Semir Landolsi, directeur général après-vente Renault, nous avons remporté trois prix. Nous avons remporté le prix de la voiture la plus vendue dans sa catégorie, le Clio 4. Le Clio 4, le Clio, محبوبة الجماهير كما نقولوا في تونس معناتها سوكسي نتاعها من اول جينيراسيون تيك صحه ميرسي على الاستضافه نحب نصلح معلومه انا جو سوي ديريكتور جينيرال ابريفون دي 4 مارك دو جروب ارتيس اللي هما رونو نيسان داسيا Lada. Lada. Machallah, on représente quatre marques et en tant que groupe, nous sommes le deuxième groupe sur le marché de l'automobile tunisien. Nous sommes en deuxième position. Donc revenons maintenant à Clio 4 qui a reçu le volant d'or de la voiture la plus vendue de sa catégorie. Pour nous, Clio 4, c'est une fierté parce que le modèle Clio en lui-même, on voit aujourd'hui des voitures de la première génération qui ont 25 ans d'âge et qui roulent toujours sur les routes tunisiennes. C'est vrai. Le deuxième prix, il y a le 4x4 le plus vendu, Lada Urban. Il y a la marque, une marque russe. Pour le cas, une marque russe, elle est dans le marché français ou allemand à Tunis. Lada aujourd'hui a été introduite sur le marché tunisien et je peux dire que Lada 4x4 Urban est la seule voiture 4x4, le vrai 4x4. D'accord. Mis à part ça, cette année, nous allons introduire deux modèles VP. Pour Lada, on ne peut pas continuer avec un seul modèle. On va introduire la Vesta et on va introduire la Vesta SW Cross d'ici la fin de l'année. Donc on va agrandir notre line-up de Lada parce que cette marque a beaucoup de potentiel et elle est la marque numéro 1 en Russie. Ouais. Le troisième prix, il y a le SUV le plus vendu dans sa catégorie Dacia Duster. Ah, Dacia Duster, ou le slogan de Dacia Pchaklam, qui est la marque roumaine du groupe Renault, c'est des voitures abordables. C'est des voitures qui sont généreuses en matière d'équipement et à la fois, ils sont abordables. Donc, nous avons introduit la marque Dacia dans le groupe depuis 2010. Et depuis 2010 à aujourd'hui, après 10 ans, nous avons importé des modèles qui se vendent très bien et qui donnent satisfaction. Il y a, mis à part Dacia Duster, qui est numéro 1 de sa catégorie, il y a aussi le Dacia Docker Van, qui est aussi, on peut dire, le numéro 1 des ventes VU. L'année dernière, on a fait plus de 1600 avec uniquement un seul modèle qui est Dacia Docker Van sur le segment des utilitaires. Et cette année aussi, on compte renforcer notre leadership sur le marché des utilitaires van avec le Dacia Docker van.